Ils sont jeunes, ils sont éleveurs de brebis, ce qui n'est pas courant dans le Finistère, et ils viennent de s'installer à Plougonvelin. Lorsque Morgane et Thomas ont réceptionné leur tout nouveau cheptel, nous y étions. Elles ont traversé la France à bord de ce camion. 74 brebis laitières venues d'Aveyron. Le début d'une nouvelle aventure pour Morgane Jean. Vous les avez attendus ? Et oui, ça fait 2 ans qu'on les attend, donc c'est beaucoup d'émotions. Oui, un peu, ouais. Avec Thomas Kellen, son compagnon, ils viennent d'acheter 17 hectares de terres agricoles pour lancer leur activité à Plougonvelin. C'est parti, on y va, on suit. Elle est fille de paysan, lui reconverti dans le métier après des études de vétérinaire. Pendant plusieurs années, ils engrangent de l'expérience dans différentes fermes, notamment en Nouvelle-Zélande, puis décident de s'installer dans la commune d'origine de Thomas. On va attendre qu'elle mette bas d'ici 3 mois. Et ensuite, on transformera tout le lait donc sur la ferme ici pour faire du fromage, yaourt de brebis. Et elles seront élevées en bio. En construction, une bergerie, une fromagerie et un magasin à la ferme, tous leurs produits seront distribués en vente directe. Il y a de la demande parce que les gens ne connaissent pas du tout la brebis laitière ici. D'ailleurs, beaucoup de monde viennent nous voir et nous disent « j'aime bien le fromage de chèvre ». C'est rigolo parce que nous, c'est de la brebis, donc c'est pas du tout la même espèce. Donc on dit « non, nous, c'est du mouton, c'est pas des chèvres ». Et on explique, mais c'est rigolo. On a déjà des boutiques sur place qui nous ont des marchés, des restaurants pour pouvoir vendre nos produits, donc c'est positif, super. Les premiers fromages devraient être confectionnés d'ici l'été. Les deux éleveurs ont lancé un financement participatif pour les aider dans leur projet. Les gourmands peuvent d'ores et déjà réserver leur fromage au lait de brebis élevé en Pays d'Iroise.